flamenco, c'est pas simplement des notes qu'on aligne les unes derrière les autres. Le flamenco, ça peut être un jeu. Quand le danseur il danse et que je l'accompagne, entre lui et moi, il se passe quelque chose. Vous appelez ça le duende. Moi, je sais pas si c'est le duende, mais en tout cas, c'est une sensation que je ne trouverai dans aucune musique au monde. Le chabi, c'est une musique ta'arroh, comme on dit, l'âme en fait. C'est l'âme de la capitale. Pour moi, c'est l'histoire d'Alger, quoi. C'est notre musique, c'est la musique des quartiers, c'est la musique des pauvres. Et ça m'a bercé, au fait. Mon père est né en Espagne, en Andalousie, à Malaga. Et à l'âge de 3 ans, il a dû fuir l'Espagne à cause du franquisme. Donc toute la famille part en Algérie, parce qu'il y a toute une communauté gitane d'Espagne qui part s'installer en Algérie. Et suite aux événements, en 1962, il décide de quitter l'Algérie pour rentrer en France. Je suis parti en France avec tout ce qui s'est passé en Algérie, la guerre civile, et tous les massacres qu'il y a eu, le chamboulement du pays. On ne pouvait plus faire de musique. Mes parents voulaient vivre un petit peu à part de cette communauté. Tout ce qui est flamenco, c'est associé au monde gitan. Et tout ce qui est gitan, les gitans, c'est quand même 500 ans de discrimination, quoi. Cette musique chabi, quand même, j'aurais bien aimé qu'elle soit plus reconnue. Parce que malheureusement, dans notre pays, l'Algérie, elle n'est pas mise très très en valeur. Le flamenco, c'est quand même l'identité du peuple andalou. Mais c'est la petite musique. Pour moi, cette musique reste la meilleure musique au monde parce que justement, elle m'offre une liberté qu'aucune musique m'offre. La musique traditionnelle chabi, on va dire, c'est une musique un peu sauvage. Au fait, on est libre parce que c'est les tripes. C'est une musique libre, sans frontières. On est là pour faire de la musique, on est là pour dessiner un beau tableau. Quelle couleur tu amènes toi et quelle couleur j'amène moi? Ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort de là. Ah, flamenco, moi, ça symbolise mon enfance parce que j'écoutais cette musique très jeune aussi. Je peux faire un album très flamenco parce que je ressens le besoin de me rapprocher de mes racines. Et puis après, je ressens le besoin de monter un projet avec un orchestre symphonique, quelque chose qui n'a rien à voir, ou avec des jazzman, ou avec des musiques orientales, etc. Le flamenco, il est omniprésent dans le chabi. Il y a des modes qu'on utilise nous aussi dans le chabi, comme le sika, par exemple. De voir qu'on fait la même musique avec le même rythme, mais eux, ils sont ailleurs. Et ça, pour moi, c'est génial. Et peut-être que le chabi, c'est ce petit maillon qui nous manque, peut-être. Nous, on est des gitans d'Alger. Lui, c'est un gitan de... Et lui, il a des origines. Ma mère est née au Rhin. J'ai certains cousins qui, parfois, il y a des mots qui leur échappent en arabe. Il y a comme un retour à la case départ, quoi.
ce soir j'ai appris un truc et ça me plaît. Thank you.